Arrête de casser ma maison ou je vais gommer ta famille. Et y'a plus de potes, c'est vrai que nouvelle vidéo sur Clash Royale les gars. Aujourd'hui une nouvelle vidéo présentation de deck. Mais avant que la vidéo commence les gars, beaucoup de personnes qui regardent la vidéo ne sont pas abonnées. Donc vraiment abonnez-vous et lâchez votre meilleur pouce bleu, ça me ferait extrêmement plaisir et ça me soutient de ouf. On va se présenter un petit deck géant cimetière les gars, je ne l'ai jamais présenté sur la chaîne je ne pense. Donc je vous présente d'abord la version sans champion. Si vous voulez je vous présente une version avec champion, dites-le moi dans les commentaires. Si il y a des decks que vous voulez que je vous présente n'importe lequel, dites-le moi en commentaire et je le ferai avec grand plaisir. Et on part dans cette première game dès que si elle veut bien se trouver. En tout cas, merci, hein, on a fait les 700 abonnés, ça fait extrêmement plaisir. Je vous remercie avec tout mon cœur. Roll to 1000 abonnés. Et à 1000 abonnés, il y aura une surprise. Et on a enfin notre première game contre Yosef. Allez, c'est parti. Bon, alors, le géant, je voulais le tester parce qu'il a été augmenté, donc je sais qu'il est fort. Enfin, il est fort. Pas tant que ça, mais il n'est pas dégueu. Ok, on va s'ouvrir la game avec un petit géant. Hop, tranquillement au fond de map, on s'installe. Pas de géant cimetière au pont first play, je vous vois venir. Pas de géant cimetière first play au pont, ça n'existe pas. Donc vous ne le faites pas, s'il vous plaît. Ok, mais une reine, il force. Très bien, on va mettre armes squelette plus haut. Il met ça en plus, d'accord. Loin d'être la meilleure... Voilà un peu cimetière, hein. Là il a forcé comme un gros porc, là il a mis reine, il a mis bûcheron. Oh, il en a mis... Oh, oh. Relou ça. Donc on met des flèches pour tuer la mamie le plus vite possible. Ah, chiant cette mamie, hein. Voilà, on a pris la tour. Bon, là j'ai pu me permettre de cimetière first play. Enfin, cimetière first play. Pas vraiment first play, mais j'ai pu me permettre de cimetière puisqu'il a mis... il a forcé comme un gros porc avec bûcheron, reine et clone. Et là, je pense qu'il y a moyen qu'on prenne le 3 couronnes. Hein. Il y a de grandes possibilités. Et on va aller 3 couronnes cet adversaire en un push. Let's go. Ah ouais, frérot, c'est ça de forcer. Voilà pourquoi il ne faut pas forcer. Parce que si vous tombez sur un adversaire plus fort que vous, il va tout simplement vous briser les os. Enfin, c'est une expression, hein, quand je dis ça. Allez, on passe au deuxième game. Ok, c'est parti contre Ismail Baxi. Allez. Non, là, je n'ai pas vu vous monter grand chose pour l'instant. On va pas se le cacher. Ok, le bon timing de snowball, c'est ça, il me semble. Ok, c'est pas du tout ça. Ok, bon. On va cycler les flèches. Ah, yes, évidemment, quand je fais ça, il met le PK. Bon, on va cycler notre DD, du coup. J'ai pas trop envie, mais j'ai pas trop le choix non plus. Ok, bon là on va, c'est pas mal. Là on fait une bonne défense. Le D2 c'est pas grave si il meurt. L'autre sorcière gère le fait le taf. Malheureusement elle est morte. Par contre frère, t'as combien de trucs pour me défoncer là? C'est chiant. Wesh. Ok, c'est bon, bonne défense de ma part. Et décidément, il me pète les couilles. Ah ouais, mais non, mais là gros, tu forces de ouf là. Ok, on va faire comme ça. On a des flèches chasse qu'on va tout de suite aller mettre, évidemment, hein, pour éviter de prendre un maximum de dommages. Bah, par contre, c'est un forceur, wesh, frère, t'abuses, là. Je vais mes sonneries, parce que sinon, ça va vous casser les buts à la fin. Ah, mais... Là, on affronte le plus gros forceur de space-temps, genre, vraiment. Casse les couilles, on peut pas s'installer avec lui. Ok. Ok, petite sorcière dans le fond du terrain. Tranquillement. Bah, Giant, hein. C'était hier qu'il fallait que j'en croise un. Bon, allez, au cimetière. On a la snowball en fonction de ce qu'il joue. Ok, là, les barbarites, c'est carrément vrai. Ok, on va devoir flèche en plus, là. Ok, je pense pas qu'il ait de tornade, donc on peut se permettre de mettre le dragon comme ça. Vu la gueule de son deck, il a pas de tornade. Je suis quasiment sûr. Les squelettes, ils vont largement faire le taf, qui vont largement défendre.
Bon, avec lui, on peut pas s'installer, donc lui, on va devoir mettre des gens au cimetière au pont. Faut juste attendre le bon moment. Donc les gars, faut être patient, n'hésitez pas à jouer être passif. Il faut attendre le bon moment, ça n'arrivera pas d'un coup comme ça, d'un coup, un claquement de doigts. Il faut être patient. Ok, là on va partir en jeu au cimetière. Ok, c'est pour ça qu'il allait partir comme ça, donc c'est pour ça. En tous les cas, on allait plus rapide que lui, je le sais. Hop. Petit snowball. Et on va aller prendre cette win assez facilement. Petite frayeur sur la fin, on va pas se mytho. Mais tranquillou, on prend la victoire. Allez, c'est pour la 3ème contre Alex de Arcade. Ok, bon, bah là, on a une très très bonne main de départ. Hein. On va s'ouvrir la game et attendre un petit peu. Juste encore. Ok, parfait. On va mettre des Dark Points. Voleuse, ok, mais la sorcière. On a pu la mettre un cran plus bas pour pas prendre de dégâts sur ce sorcière, c'est pas grave. Ok, bon, en PK Bridge Pam, très mauvais matchup, évidemment. Bon, on va pas mettre de géants au fond de map, du coup, on va plutôt mettre des géants au pont. Ok, on va snowball. Ok, on peut se permettre de mettre le D2. Si ma PK au pont, on kite au cimetière, c'est win. Là, si mes PK au pont, c'est mon rêve, hein. Je vous l'annonce. Et pas PK, je suis con, il va mettre sûrement un électro sorcier. Ah non, mais là, frère, t'abuses. Ok, il Lewis, il va sûrement zap. Voilà, et là, du coup, il a plus de zap. Hé hé. Eh ouais, ma petite compote. Eh oui. Donc, ça, c'est parfait. Nickel. Et là voilà, là on vient au bout de la game sur ça. Oh, le géant par contre qui fait vraiment le taf. Hein. Le géant, regardez, le géant il met des tatins de fourrin hein, là. Hop, c'est ciao. Parfait. Ok, normalement on va avoir besoin de mettre une petite snowball, mais rien de trop dramatique. Hop. Ok, petite sorcière en fond du terrain. Ah, ça c'est chiant, ça c'était pas prévu. Peut-être avec un peu de chance on évite le dash. Non, on évitera pas le dash. On va devoir assumer le dommage. Voilà, maintenant faut plus prendre de dégâts. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement passer en offensive. Parfait. Alors pourquoi je mets la masque derrière? Parce qu'il va devoir tirer son sap sur le 10 milliards squelettes qui arrivent là. Et il va quand même perdre la tour parce que le PK est complètement débordé. On peut se permettre de mettre une deuxième sorcière pour encore plus de squelettes. Un maximum de qui coûte dans les commentaires. On peut cimetière, il y a simplement 3 couronnes d'impeccable HM qui est un gros war scooter de deck. Mais on a très bien joué la game et il a très très mal joué, donc ça allait. On part déjà dans cette quatrième et dernière game de la vidéo. Avant de s'ouvrir un petit palier des familles. Ça fait plaisir en parlant de. Bélier de combat, on va tout simplement l'améliorer. Hop. Et dernière game de la vidéo. Ok, dernière game de la vidéo, c'est parti contre Oga Booga Loop. Ok, on va mettre, je pense, armée squelette. On va ouvrir le bal avec un petit géant. Tranquillement fond de map. On va pas défendre. J'ai pas envie de défendre. Ok, là, roi squelette. On a dit une petite sorcière. Je pense qu'on va mettre un D2 aussi. Hop. On va tuer le roi squelette. Ok, le pêcheur. Très bien. On va mettre la petite snowball ici pour détruire tous les squelettes. Et on va mettre des flèches en plus parce que le mec il a une armée squelette. Ouais, là on va avoir un petit sous-sail là. Ok, on a l'armée squelette. Elle s'est fait défoncer. Je pense que c'est loose, hein. On peut la remonter, hein. Le géant cimetière ça va très très vite, hein, les gars. Le géant cimetière ça va très très vite.
Hop, ok, la gargouille, horde de gargouilles, roi squelette, armée squelette. Pêcheur, un deck relou, hein. Un deck très très relou. Mais c'est pas grave. Bon, on va partir géant, écoutez. Hein. Maintenant, je sais qu'il y a une armée squelette. Maintenant, je sais qu'il y a une armée squelette, donc ça va. Nano double sort, donc ça va. Une pour la capa, une pour. Et mais là, mais ce qui est très très tôt. Hein. Très bien joué de sa part, mais ce qui est très tôt. Ça suffira pas, malheureusement. Parce qu'elle va quand même mourir. Et là, ce qui est bien, c'est qu'on accumule nos troupes là. Hop, là, on peut tout simplement les flèches chasse, tout ça. Et là, on va pouvoir jouer au pont là. Là, il y a moyen de discuter. Bah, il sait qu'il a perdu la tour, et voilà, on a remonté la game. Alors, facilement, c'est un petit mot, mais on a remonté la game. Non, là, il n'y a plus qu'à défendre, tout simplement. Il a un GR, ok. Ah, mais ouais, ok, mais bah non, c'est même pas le deck que je vous ai présenté, non, absolument pas. Il a plus de horde. Il a qu'une armée squelette. Ok, j'aurais pas du cimetière là. Là, je me suis mis dans la sauce tout seul. Voilà, je pense que l'océan là c'est. Là c'est la sauce pour moi un peu. S'il met sa horde, ça serait pas mal. Ok, on met celle-là. Ok, elle a fait une bonne défense. La sorcière qui met de bons dommages. Oula, je bégaye. Ok, c'est pas terminé, hein. Là, il y a encore moyen de moyenner, je vous le dis. Ok, là, elle a voulu tenter. Et voilà comment on détruit une game. La remontada d'une vie, les gars. Bien sûr. Bien sûr que vous pouvez le faire. Attends, mais j'ai eu cochon. Attends, je vais te capter le dégueu maintenant, je crois. Oh là 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 là. Ah ouais, c'était un petit coup. Attends, c'était carrément un petit compte. Oh là 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 là. Let's go, les gars. Let's go. Oh, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. En tout cas, de très très belle game. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous êtes encore là, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires hashtag remontada. C'était Brekou. Ciao, ciao.